Oula, mais l'équipe rouge full AD, hein? Bah, par le Gragas. Attends, quoi? Wow. Gragas Ignite? Oui, mais Mid? pourquoi pas? Et il va partir genre full AP? Pour moi, ce serait une énorme erreur de partir full AP avec un Gragas. Bah, c'est plus l'ancien Gragas, quoi. Bah, c'est des très très forts en saison 2, Ouais. saison 3. Mais actuellement, Gragas est vraiment un tank en fait. Donc, Ouais, bah, c'est beaucoup plus fort en tank, je trouve aussi. après, il faut pas sous-estimer les dégâts quand même, hein. Ça fait très mal. C'est juste qu'il tiendra pas longtemps dans la mêlée. Ok. Alors, nous avons. Oh, on a un GP. Oh, c'est trop bien ça. Si le mec sait jouer GP, ça va être trop trop stylé. Alors, nous avons la top lane du coup. GP contre. Ah, Yasuo. Oula. Le Yasuo peut vraiment snowball de ouf. Oh, il est trop bien le skin de. Père Noël, Brome, excellent! Tu connaissais pas? Ben, je l'ai jamais vu presque en jeu, genre. Ah, il est trop. Ah oui, c'est le meilleur skin. Donc, désolé pour les petits freeze au début. Merci, Toucan, d'être ici, malgré que tu sois un petit peu malade. Non, malade, Mais tu tout va rigoles bien. Tout va bien, tout va ou bien. C'est. Voilà. Ça passe. On rate pas le rendez-vous. Alors, à top lane, on est parti sur. Putain, on est. On part sur de la mana tout de suite sur le GP. Vraiment, on veut rester loin, on va faire le Q et on va prendre zéro risque et on va jamais trade, hein, je pense. Hein. Ça va être vraiment du Q de très loin. mais je vais tester GP il y a pas si longtemps et sur Q-Spell c'est 50 de mana quand même. Alors je crois que ça rend une partie quand on la cite. Mais Ah en ouais. début de partie c'est vrai que le Ouais, non, mana mais est assez y en a important pour tenir. qui prennent la gemme en effet. Ok, intéressant. On est parti. Lame d'Oran pour Yasuo. Oui, bah oui, il va avoir l'avantage. Je pense pas que le Doran Shield est vraiment nécessaire pour le Q, parce que le Q, de toute façon, il va s'en servir pour farm, je pense, le GP. Jungle, on a donc un. Merde, un Warwick contre une vie. Warwick, donc, qui est parti sans potion, parce que le personnage régénère beaucoup trop. Pas vraiment besoin. Par contre, on est parti 3 potions pour vie. On n'est pas très confiant, on n'a pas pris les potions rechargeables. Alors que les potions rechargeables sont un bon choix quand même. Ça reste à voir. Midlane du coup très spécial. Bon, Orianna, ça c'est assez standard, mais Gragas mid, ça va être intéressant. Après Gragas, je pense qu'il peut tenir le farm, mais Ouais, je sais Orianna, pas, ça. faut voir. Mais je pense qu'Orianna va pouvoir bien le punir hein, s'il va chercher les spires. On va voir. On va voir. À la botlane, on a un Twitch Thresh contre une Xayah. Y a Warwick qui invade, hein. Ah oui, Warwick qui est parti tout de suite. Alors attends. Ah oui, il a pris son blue buff, il est Mais parti tout de c'est suite. wardé. C'est bien wardé, hein. Donc du coup l'équipe adverse est au courant que Warwick attend son Très bonne invite. vision de l'équipe rouge en très early game pour justement voir ça. Ah, c'est marrant ça. Ah, ils l'ont vu, ils l'ont vu, ils ont ping. Ça, il le sait pas. Du coup, la vie, est-ce qu'elle va riposter? Ah mais oui, mais la vie Elle a va, pris les red buff tout je de pense suite, qu'elle va ok. vouloir chercher peut-être le red buff de Mais Warwick, non, elle l'a peut-être. déjà fait en fait, elle a commencé les red buff. Ah, vie, elle a commencé red C'est pour buff? ça que Warwick est parti de l'autre côté. Bon, du coup, ça Ok. revient à peu près au même. On va pouvoir prendre le Gromp ici. Ok. À la mid lane, il est niveau 3, d'accord. Très bien, ça se passe. Tout le monde a à peu près le même farm. Ah oui, à la top lane, il va galérer. Hein. Le GP, il a pris beaucoup de dégâts là, bizarrement. Parce qu'en prenant un build comme ça, normalement, t'es vraiment censé farm de très loin. Après, Yasuo, bah, c'est un gap closer permanent. Est très dangereux. Le Q est passé, on a un red buff sur le Warwick, le Fear va passer, le Q a été utilisé, il est ralenti, il va flash. Bon gank, on a forcé le flash sur Yasuo, on va peut-être pouvoir regank. Ça va mettre beaucoup moins de pression sur le gangplank, c'est très bien. Ok, on est parti Targon des deux côtés pour les supports. Ça va être beaucoup plus dur avec Thresh d'activer le Targon parce que c'est un personnage distance, c'est parfois même très dur de la stit et tout. Surtout les canons, quand tu le rates, ton ADC est dégoûté et toi aussi en fait d'un côté. Alors que Braum n'aura pas ce problème là. Très bonne engage de la part de Braum avec son Q, ça passera pas. Il manquait deux auto-attaques pour le stun. Très bon grab, on a fait le slow, très très bon slow du Twitch. On va pouvoir peut-être mettre les 5, non, on est à 4 stacks, on va pas pouvoir finir. La vie, très bon flash. Très bon flash. Peut-être pas besoin de flash, mais au moins on va pas perdre de points de vie. Et on va pouvoir continuer à lane sans aucun problème. Donc, ça passe. Gragas qui gère son match-up.
Alors ça c'est bizarre que le GP arrive à... Elle a mis un bon tonneau. Ah bah tu vois le Yasuo un petit peu... Ah oui non mais c'est vrai il s'est fait grand, je suis débile. Il y a Warwick qui l'avait mis comme midlife. Il a dû utiliser sa potion donc ouais non. C'est... Warwick a fait vraiment le taf. Très bonne ward de la part de la botlane qui peut voir Vig back, c'est une bonne information ça. Alors au niveau des compositions d'équipe, qui tu mettrais devant toi? Qu'est-ce que je trouve ça assez équilibré. AP. Je pense qu'ils ont pas un super combo avec l'Orianna, ils ont Warwick mais qui peut dash ou même Thresh mais je pense qu'il y a mieux quand même avec combo avec, pour Orianna. Orianna Twitch GP, ça fait quand même un sacré teamfight s'ils sont stackés. Oui c'est vrai. Va falloir faire attention à ne pas trop se stacker. En fait il faut qu'ils soient bien coordonnés pour réussir tout leur sort quoi mais ils ont pas les meilleurs persos pour tous les bloquer quoi. Ouais. Mais quand même, ça risque d'être quand même assez intéressant parce que... Mais je pense que l'équipe bleue a une meilleure composition. Oui. Teamfight. Après, je trouve ça ultra stylé que 3 personnages dans l'équipe rouge peuvent créer l'ultime de Yasuo. Ah c'est vrai ça, j'ai pas compris. Ça peut être super stylé. Très bon dragon, très bon call de la part de Warwick. Oh, le gank, on va devoir flash. On va devoir flash le Q. Ah, on n'a pas de flash de la part de... Oh, flash beaucoup trop tard. Non, il était condamné, il fallait pas qu'il flash, il fallait qu'il se fasse mourir. C'est vrai, la vie a bien joué. La vie a bien joué à ne pas activer son Q. C'est vrai qu'il était peut-être sûrement condamné. Il y a la vague qui est arrivée pile au bon moment pour Yasuo. Pas eu de chance, très bon gank, bravo. Ça va laisser de l'espace pour Yasuo. Et oui, c'est vrai que Gragas, un bon ultime. Ah putain, s'il spam sa touche R sur 5 personnes, bah ça peut faire le taf. V, elle fait un Q sur quelqu'un, il peut follow avec un R. Oh, c'est très mal. Ah, il a raté l'ultime, non? Non, il a réussi l'ultime, sauf qu'il a pas assez de dégâts. Et là, il va pouvoir se faire tourner. Ah, il s'est fait turn. C'est les animations du Q-spell que j'ai cru que c'était l'ulti. On n'avait pas de flash de la part de vie? Ah, on avait plus de flash. Ah non, il avait déjà flash, je suis débile. Et oui, le bouclier de Orianna qui l'a sauvé. Il a pas pu finir... il avait plus de mana, hein. C'était assez risqué. Il a fait le beau jeu, c'est pas passé, mais c'était pas passé loin. Oh, il est parti revolver et steak. Ah oui, d'accord. On part sur ça, on part sur du proto-belt. Alors ça c'est par contre très dommage parce qu'il aurait eu le kill, il aurait pu se mettre tellement mieux. Après, Orianna n'a pas acheté des mers. Oula! Oh c'est marrant, il a activé son orange pour que l'ultime de Yasuo... Ouais, je pense qu'il a activé son orange pour que l'ultime de Yasuo soit... J'ai pas regardé, mais c'est possible. Parce que la caméra s'est mise un petit peu en retard. Et il a plus beaucoup de vie. Vie en train de counter jungle. Warwick est full life, vie aussi, niveau 5, niveau 4, niveau 4 pour Warwick, ok, on va pas faire chez le Warwick finalement pour vie. En termes de ward, on est comment là? Ah, vie va en fait le refaire chier. Il y a plus de ward de l'équipe rouge. Oui, côté rouge, ils ont une super vision dans les rivières, surtout à la top lane. C'est assez intéressant. Est-ce que... Il a eu son bleu, mais ça va pas passer. Oh, le revolver Estek. Oh. Oh, il va pouvoir s'en tirer grâce à Orianna. Waouh, très bonne décale, très bon follow. Oh, et ça passe. Est-ce qu'elle va pouvoir s'en tirer? Elle a un boost de vitesse. Oh, il aurait dû continuer. Yasuo, il a pas fait confiance à son Gragas. Oh, très bon fear. Oh, dommage. Oh, oui. On n'a pas d'ultime de la part de Orianna. Il a bien joué. Oh, dommage. Il reste 10 secondes pour l'ultime d'Orianna. Ouf. C'est super dommage. C'était très deep. C'est excellent ce qu'il a fait le Warwick parce qu'il a protégé oui. son carry. Oui, c'est. Et en se tuant à la place d'Orianna, ils ont pas pris l'interruption sur Orianna en fait. Oh! Parfait. Merde, j'avais oublié la vision. Putain, j'avais la vision des rouges. Ah bah c'était parfait du coup. Oui. Ils avaient rien vu passer. Oula, qu'est-ce qu'il fait le Gragas? Ah, il se suicide? Ah, il a peur du Warwick. Il avait peut-être peur du Warwick. Oui, mais Warwick il devait back. Je sais pas, mais. On va dire que c'était un bac rapide. La vision sur GP. Attends, est-ce que non, GP est en cooldown pour l'ulti. Il a paniqué. Il savait pas où était GP par contre. Ouais. Donc on va respecter son choix. Mais on si a GP pas avait un ulti, il aurait free kill. Oui. Oh là là, le GP est pas bien. Les coups critiques sont partis là. Non, c'est bon, il va pouvoir s'en tirer. Ah là là, ouais. Le GP, il est pas bien en 0-1 là. Il a 20 CS de plus par contre. Et il a une brillance, va falloir rester très 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 loin. Le Warwick est comment? Oh, gank de vie. On est niveau 6 pour vie.
Oh là, on active. Ouais. Oh, c'est passé. C'est passé, le stun va passer. Et c'est fini. Le trèche est mort. Le trèche est mort. Ouh, le slow. Oh, le coup de tour. Oh, le E. Est-ce qu'on a un E de la part de Twitch? Non, on l'a peut-être déjà fait. Le Twitch a été trop passif sur l'action. Est-ce que ça va passer? On est niveau 5 de la part de Warwick. Non, ça va pas passer. On avait encore l'ultime de la part de vie. Il s'y attendait pas. Je pense pas qu'il s'y attendait. Ah, du coup, il s'est fait bien retourner. Et le Twitch qui a plus de mana. Il manque un peu de hit and run pour mettre plus de dégâts pendant que le Thresh faisait chase. Ouais, je sais pas, parce que le Twitch savait que la vie avait encore son ultime, donc Twitch c'est ultra, ultra fragile. Aucun dash, que dalle, juste un petit slow. Ouais, c'était compliqué. Compliqué, GP qui a repris l'avantage, je sais pas comment. Il farme de loin, c'est ce qu'il faut faire. Faut vraiment pas essayer de chercher des trades à 100% de PV. Ok, le Gragas qui commence à prendre très cher avec son revolver Estec. Aucune MR. La Orina est à 3-0. La vie qui est à 0-1-3 qui fait un bon travail de support jungle. Qui donne bien tous les kills à son équipe. Il va pas avoir son Q. Il aura pas son Q. Son Fear ne va pas passer. Oh, c'est dommage. C'est dommage. La vie, très bon réflexe pour son Q qui va pouvoir s'échapper. Au niveau 5, Warwick. Merde. Ouais, le Warwick doit aller chercher son niveau 6 là. Un petit camp, je pense que ça ira. Attends, voyons voir ça. Ouais, c'est ça. Un camp, il a son niveau 6, donc il va le faire. Tranquillement. Oh! J'ai pas vu l'agression. J'ai pas vu l'agression, on va pas revenir en arrière, sinon on va être décalé. Mais bah il a fait son tonneau, son ultime qui est... C'était intéressant, c'était pas mal. Hein. Qui l'a remis dans... Ah bah toi tu l'as vu, oui, merde, parce que moi c'est vrai que j'avais focus le Warwick. Et bah bien joué, ça fait 1 pour 1. Ça donne un shutdown. Plus de 350 gold, c'est bien ça. Non, je me trompe. Ça, elle avait 4 kills, hein, c'est ça? Ça, ouais, c'est ça. Ok, du coup il va pas encore pouvoir acheter sa proto-build, mais bientôt, ça fait avancer ses objets. Et j'ai hâte au teamfight, vraiment j'ai hâte au teamfight avec Yasuo, Gragas et tout là. Ça risque d'être super intéressant, on a une agression. Warwick a son ultime, il faut pas qu'il se rate. Prends ton temps, elle a peut-être son ultime, voilà. Après le fear, très bon, comme ça elle a pas pu ultime, super bien joué. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Ah, le premier était à 4 secondes de cooldown sur son R, il aurait pu toucher la catastrophe. Ouais, dommage, très bon timing du coup, ou en tout cas... un timing très chanceux pour l'équipe bleue. Très bon gank. Et c'est ça qu'il faut faire avec Warwick. Ne pas se précipiter ou le faire de trop loin son ultime contre une Xayah. Parce que Xayah va juste faire son ult. Et esquiver l'ultime très facilement. Parce que regardez, Xayah avait vraiment son ult. Enfin, je crois. Hein. Je sais pas si ça a été comme Braum à quelques secondes près. Mais justement, le Warwick a fear et ensuite l'ultime. Du coup, elle pouvait rien faire. Super bien joué. Ok, encore un dragon pour l'équipe bleue. Ça va être le deuxième dragon. On va courir un peu plus vite hors combat. On a de la régénération avec le premier. Très intéressant. Le dragon d'eau, ça va beaucoup aider l'Orianna et le Gangplank pour leur sort. Parce que c'est des persos qui utilisent beaucoup de mana et ça va vraiment les aider à... Ah oui, le dragon d'eau là. Oui. Oui. C'est hyper puissant, on s'en rend pas compte parce que c'est passif. Mais c'est ce qui permet de tenir la lane et de jump back en fait. C'est vrai que contre GP ça va être cool. Et le dragon de vitesse qui va être assez bien sur Warwick. Le GP qui va mourir. Le GP qui s'est fait détruire mais avec un flash, ça ne passe pas. La vie qui joue bien. La vie qui joue bien, qui utilise bien son ultime quand il faut. Elle fait de très bons Q. Il a voulu faire le petit combo one shot. Ça n'allait pas passer, elle était trop loin. Elle a joué ses cures. Très bien joué. Alors c'est bien. Warwick était présent pour sauver la tour. C'est nickel. Faut pas donner la première tour à un Yasuo ou une vie, ça va faire beaucoup trop mal. La vie qui a eu son premier kill d'ailleurs. Ça c'est bien aussi. Le problème de Gongplank c'est qu'il a mauvaise posture contre un Yasuo en fait. C'est pas un bon match-up pour lui. Ouais. Ça a l'air compliqué. Faudrait au moins qu'il parte sur des tabis. Enfin je comprends que le build doit être très offensif sur Gongplank, mais il faut au moins des tabis pour tenir. Ah ouais, non, il joue pas, il fait pas. Il le respecte pas assez là. Faut vraiment jouer de très très loin contre un Yasuo. Oh! L'ultime qui fait pas beaucoup de dégâts. Ouais, on est parti. Oh, le E qui va passer pour Gragas. Attention, là, Orianna n'a plus beaucoup de vie. On voit pas le Yasuo qui est en train de venir. Ou est-ce qu'il a son flash? D'accord, on a flash pour Orianna. On avait vraiment pas de choix. On est parti danseur fantôme pour Yasuo. Qui va pouvoir faire des duels en 1v1 très très fort. Qui va réduire les dommages qu'il va se prendre. Le Gangplank qui est parti pour sa trinité, c'est un peu son power spike qui va faire beaucoup de dégâts. Bon, c'est pas vraiment son power spike parce qu'il va faire beaucoup plus mal en late game. Mais la trinité est vraiment très intéressante. Après, c'est vrai qu'il a pas d'armure contre le Yasuo, du coup il va se faire défoncer. Non,
Parce que Yasuo il résiste avec son danseur fantôme, mais Gongfang il a rien qui résiste. Et la Trinité coûte beaucoup plus cher que le danseur fantôme. Donc Oh, bien joué. Bien joué, mais ça fait pas. Oh, qu'est-ce qu'il fait le Gongfang? Ah, c'est parce qu'il y a Warwick. Oh là là. C'est parce qu'il y a Warwick. Ah, très bien joué de. Gragas. Bien joué, bien joué. Le Warwick était bien vu. Qui a bien vu l'action. Je me disais aussi, c'était très bizarre comment jouer Gangplank. Il m'a fait peur. Et le Gragas qui arrive à prendre un kill en 1-3, qui était en 1-3, sur du 4-1, parce qu'elle a pas de résistance magique. Faut jouer plus safe. Après, pas besoin de résistance magique. Oh. Je pense qu'elle devrait peut-être prendre quand même une Banshee. Ah, quoi. Mais non, c'est vrai qu'il y a trop d'AD. Oh, agression sur la vie. Ah, dommage, on a fait la plante. Elle a bien joué. Ah, et lui, il se retrouve tout seul. Non. Non, le Warwick, il va arriver beaucoup trop tard. On a pris la première tour, par contre, ça, c'est très bien. Est-ce que le Yasuo va pouvoir... Oui, il va pouvoir le chase avec les minions. Oh, mais attends, il prend pas mal de dégâts, finalement. Ouais, il va pas le... Il va finir par ne pas chase le Gangplank. Alors, en termes de goal, on est à combien, là? Bonne question. On est à combien? Égalité à peu près. Égalité à peu près, mais en termes de champion. Je pense que c'est GP qui a le plus de gold. Oui. C'est GP qui a le plus de gold. Vache! Ah, je pensais pas autant. Il a un très bon farm. En fait, c'est le passif de GP plus le farm qu'il a. Regarde le farm qu'il a. Hallucinant, 1200 gold de plus. Du coup, c'est ce qui lui donne la. Ah, il est parti sur l'établi déjà. Donc là, nice. GP, il va. Ça, c'est très bon choix. Ça, c'est bien. Ça, c'est très très bien. Alors, la Orianna, là, on lui conseillerait quoi là? À qui y a quoi? Orianna, parce que là, elle se fait one shot par Gragas. Après, une Banshee, je trouve ça super. Oui, c'est bien, c'est très fort contre Gragas parce qu'il peut pas faire son combo du coup. Il va pas pouvoir la one-shot. Il y a juste Gragas. Gragas après, il a un burst, la vie ne pourra pas la R. Si elle reçoit pas de dégâts, la vie ne pourra pas la R. Mais je pense que le Zonia il serait plus adapté. Ce serait plus économique. Tu peux aussi faire ton pont à l'outil Gragas quoi qu'il arrive. Je pense que Zonia Banshee, elle sera vraiment tranquille avec ça. Bah, oui et non, mais si tu fais Zonia et Banshee, t'as acheté deux items défensifs et t'as pas trop d'items offensifs en fait. Ouais, mais est-ce que ton équipe a pas déjà... Déjà que le c'est un item qui est passif, on va dire. Enfin, qui est complet. Ouais, mais en face, ils sont tous squishy, non? Est-ce que t'as besoin de mettre vraiment beaucoup de dégâts? Parce que là, tu te fais ult, tu te fais flash, tu te fais E-flash par Gragas, R, Yasuo va dans le tas, c'est une Banshee. Et si tu as le Zonia et que tu le time au bon moment, bah si tu veux, tu... Comment dire, ça a le même effet que la Banshee au final, puisque tu vas pouvoir annuler le Tigragas en fait. Ouais, j'aime pas trop le Zonia en fait. Bah, c'est compliqué Zonia contre Yasuo parce que tu te fais CC, il te re-CC, et à la fin tu finis à 10%, tu Zonia et... Après, il faut penser à l'ulti de vie, il faut penser aux dégâts physiques de Yasuo et tout. Oh, il a voulu faire son tour. Il y arrivera pas. La Orianna est pas débile. Va falloir. Oh, il se troll un petit peu. Après, dans le chat. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que les objets ils ont un coût et qu'on peut pas tout acheter en fait. Exact, exact. Je sais pas. Je partirais plus. Pas utilitaire pour Orianna, mais. C'est très facile de mourir quand même. Tu prendrais quoi toi, un Luden Echo? Il a annulé son auto-attaque. Bravo, ok. Ah, elle a bien joué le Gangplank. Ah, non, le Gangplank va pas y arriver. Oh! Son passif. La vache. Et il a eu un bon sang-froid et des bons réflexes pour mettre son tonneau. Parce que là, il aurait pu mourir et perdre sa tourelle. Hein. Il a pas trop paniqué. Non, 1-1. Ça aurait pu être mieux, mais il y a aucun souci. Le Twitch qui est parti. Ah, mais il a toujours pas fini un item? Il est parti sur BOTRK en plus de commencer une BF. Du coup, c'est pas rentable. Alors attends, mais il a fait sa BF premier objet ou il a pas fini sa BOTRK? Il est parti. Je n'ai pas regardé. Ok, ça c'était assez intéressant, mais finir sa BOTRK aurait été un bon choix. Il a attrapé vie en plein vol, hein. La flèche. Ah, j'ai même pas fait gaffe. Ok, on a activé l'ultime pour Twitch. On fait pas beaucoup de dégâts malheureusement. Ah, il s'est fait péter la gueule. Il s'est fait péter la gueule pour vie. On a du poison. Est-ce que les poisons vont pouvoir aider? Warwick fait finir la vie. Très bon choix. On est en 4v2. Est-ce que le dive va être possible? On est assez low. Non, on va. Oh putain, d'accord. J'avais pas vu l'équipe rouge qui est ici. L'Arena qui va mourir aussi, je pense. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Ils sont restés beaucoup trop longtemps. Oh, on a raté le tonneau malheureusement. Qu'est-ce qu'on a sur Gragas? On a un flash dans 10 secondes. Va falloir faire très attention pour Orianna. Ouais, on est resté trop longtemps sans vision dans la jungle. Dommage, hein, parce que là, ce dragon-là, laissé sur un Yasuo, vit Zyroth.
Aïe aïe aïe, ce dragon là, fallait pas le donner. Dommage, dommage. J'étais bien tenté, mais on est resté un petit peu trop longtemps. Du coup, on a fini la BOTRK pour Twitch, ça c'est bien. J'ai une idée de l'item résistance magique que peut acheter Oriana, c'est le Graal en fait. Parce que ça donne de la RM, de la puissance, et ça permet de soigner ses alliés également. Un quoi? Ça soigne? Un Graal, oui. Parce qu'en fonction des dégâts que tu appliques, tu vas charger des stacks. Et ah moi je pensais que ça augmentait. Je pensais que ça augmentait juste le bouclier que t'allais faire. Non le Graal. Le Graal impie? Non non le calice d'harmonie. Attends merde, non mais on parle de le Athènes la machin là? Ouais c'est ça ouais. Ah je croyais que ça augmentait. Ça... Comment ça soigne? Je comprends pas. Je croyais que ça augmentait le juste les bouclier. Les shields de 20%. Mais le Graal lui il augmente juste la puissance, la régénération mana. Et ça donne du heal quand tu stack. Attends, on parle bien de la coupe où il y a du sang dedans, genre. Ouais, c'est ça, oui. Et ça soigne. Oui. D'ailleurs, le passif, il a été buff il y a un patch ou deux. D'accord, bah je ne savais pas. Bien buff, d'ailleurs. Après, prendre de la résistance magique qui donne ça en passif, pour juste c'est super intéressant parce que ça permet bien de temporiser les alliés. Ouais, on a mais une merde, à voir, putain, j'ai... GP se soigne, Warwick se soigne. Si Orianna soigne en même temps qu'un shield, du coup, ça rend l'équipe hyper tanky. Bah, je mettrai l'image du set si j'oublie pas. En tout cas, c'est vachement intéressant. Bah, je voyais plus ça sur une Karma, en fait, à chaque fois, ou une Lulu, à la midlane. Alors là, par contre, Orianna, c'est vrai que ça peut être cool. Parce que vu que c'est un objet utilitaire, toute l'équipe va en profiter, en fait. En effet, en effet. On est parti Zonia, hein. Elle va partir sur un Zonia, c'est très bon, c'est très bien, c'est très très bien. C'est ce qu'il faut prendre, ils sont faits, les AD sont faits en face. Il y a le Gragas, mais le Gragas, va falloir faire avec. C'est juste du one shot, donc si on arrive à esquiver finalement, ça peut être intéressant. Mais la Banshee, franchement, ça peut passer, ça peut être cool quand même. Pour éviter de se faire engage de très très loin. C'est un très très bon item, c'est un très très bon item. Après, on fait moins de dégâts. Mais est-ce qu'on a besoin de faire beaucoup de dégâts avec une composition de Twitch, GP, etc. qui fait déjà énormément de dégâts? Je sais pas. Pas forcément, et c'est pour ça que je préfère partir sur quelque chose de plus utilitaire. Ouais, ouais, je vois. Que d'avoir un build trop défensif, Banshee, plus Zonia et tout. C'est pas... C'est safe, hein, y a pas de problème, mais... Le GP il gère ses tonneaux. Y'a rien à besoin de... Le GP qu'est-ce qui gère ses tonneaux, parce que c'est pas simple, hein. Ça je peux vous le dire que... Faut être un sacré joueur de... Oh purée qu'il a bien joué. Ah, il s'est vraiment fait outplay le Proviasio là avec les tonneaux qui sont vraiment très bien placés. Ouh, très bon ultime. On a arrêté le Q de vie. Le tonneau qui va ralentir Warwick. Warwick qui n'a pas son ultime. Si, il vient de le faire. Je sais pas. Il s'est fait ult par vie. Est-ce qu'il va avoir assez de regen? Est-ce qu'il a son ult? Non. Oh! Oh! Oh putain. Non, c'est un truc, c'est un délire. Il aurait dû attaquer les sbires. Il faut. Les champions qui ont du hard sustain comme Warwick. Ne laissez jamais votre allié faire, le finir. Ah par contre le Gragas qui... Il va flash pour assurer un kill. Il n'en avait pas de kill le Twitch, donc il l'a pris. Quand un champion a du hard sustain comme Warwick, mettez un spell, même si vous allez mettre 20% de overkill, allez-y parce que voilà ce qui peut arriver. Mais là il a compris la leçon, on a volé le red buff. Il a double buff. Ouais. Pour GP. Surtout que le red buff sur Twitch est hyper puissant. La vache, mais il est super agressif, hein. Là, les Yasuo, il se sent plus bien. Oh là là, ce qui lui met. Oh, mais il est mort. Oh, bien joué. Bien vu, ça. Oh. Eh, c'est hallucinant. Il peut plus rien faire. Il fait peur, le GP. Il peut plus rien faire, les Yasuo. Mais il gère les tonneaux, hein. Parce que ça, c'est pas facile. Ce qui se passe, c'est que déjà, les Tabi Ninja ont un impact énorme, en fait, sur les trades. La Yumu, comme ça, il peut pas fuir. Attention, très bon E. Ok, ça va pas faire beaucoup de dégâts. Oh, il n'y a pas eu vraiment beaucoup de dégâts. Ah, on est parti QSS pour Xayah. QSS pour Xayah. C'est pour le Warwick. Bah oui, mais t'as du pile, t'as Gragas, t'as Vi, t'as Yasuo. Oui, mais même c'est si Xayah se fait ulti par Warwick... Mais elle est en backlane, c'est pas un champion qui va frontlane. Bizarre. Moi, j'aurais peut-être pas pris QSS aussitôt dans la partie, en tout cas. Bizarre. Moi, je pense que c'est bon, quand même. Ouais, 1300 gold quand même. Ouais, voilà. Après, l'Oriana est un peu chou. Là, elle s'est fait défoncer. Je pense pas que Warwick soit un gros problème avec autant de piles en fait. Ah oh, la vache, qu'est-ce qu'on défonce. Warwick. Ouais. Pourquoi pas, ouais. Warwick est parti full tanky.
beaucoup beaucoup de vie. Le rendu 1 parce qu'il y a du critique en face. Et il y a surtout un Yasuo. Et une Xayah qui va partir coup critique aussi. Ouais, ah, dommage. Le GP qui est pas ratable. Voilà, il fait quand même de bons dégâts le Gragas, mais pas assez malheureusement. On est parti proto belt Banshee. Banshee, oui, ok. C'est un peu l'armure qui va manquer parce qu'avec. Il devrait peut-être prendre une armure du grand flanc et tout. Ouais. Ça y est, il vient d'acheter de l'armure là. Ouais, il va partir Zhonya, je pense. Je pense qu'il va partir Zhonya. En termes de gold, comment on est 3-4 gars. 3-4. Ah, ils ont remonté au moins 5000 gold d'équipe bleue. Équipe bleue à deux dragons. C'est quoi le dragon? Prochain dragon, c'est quoi? C'est un haut. Deux hauts sur Warwick, ça va être chaud. Hein. Bah, sur toute l'équipe, ça commence à être. Sur toute l'équipe, de toute façon, c'est. Ça va être embêtant. C'est le meilleur drac, le dragon d'eau. Ah ouais? Bon, ça dépend. Pour l'équipe rouge, Infernal est. Statistiquement, c'est le dragon d'eau qui offre le plus haut taux de victoire. Ah ouais? Bah, tu vois, je savais pas ça. Oui. Oh, attention, la Yumu qui a été activée. Oh! 1000 critiques sur la vie qui prend 3 quarts de ses points de vie. Ça fait mal. Bah, du coup, voilà. Ça permet de disengage. Je prends un dragon complètement gratuit. La vache, hein. Oh, d'accord, ok. Les 3 objets de Gangplank. Full dégâts. Là, il rigole plus. Là, c'est critique. Ne rigole plus. Ok, 1 quart de dégâts sur le Gragas. Ça commence à faire beaucoup de dégâts. Hein. Le problème, c'est que ta vie commence à s'essouffler. Parce qu'elle est partie avec beaucoup de dégâts. Elle a presque toute l'armure. Bah, là, il est qu'à 1-3 aussi. Engager, du coup, là. Ouais. Là, il lui faudrait un petit ange gardien, ça ferait du bien. Par exemple. Ouais, elle pourrait partir sur full tank, prendre un Sterak plus tard si elle a de la vie, etc. Moi, je partirais sur un rondouin survie parce qu'il y a Gangplank et Twitch qui font exact. De gros, de ah gros oui, critiques. Exact. Et Ah oui, d'accord, le Twitch a vraiment pris sa BF juste pour avoir un boost d'AD. C'est pas si bête que ça oui, parce non. que. Il allait avoir full attack speed et ses critiques allaient faire pas mal en fait. Après, Twitch. Ça l'a retardé un peu sur son build là. Ça l'a beaucoup retardé, les vitesses d'attaque en fait. Tu peux avoir que de la vitesse d'attaque avec son passif, les poisons, son ultime qui rajoute de l'AD en fait en bonus du coup. A voir. S'il se sentait l'envie d'acheter de l'AD, pourquoi pas. Mais c'est vrai que ça a retardé son Runan. Son Runan qui maintenant est fait. Alors là, j'ai hâte de voir un bon gros teamfight là. Ah non, la Xayah qui est partie farmer un petit peu, faut vraiment pas rester. Hein. On prend le farm et on va tout de suite essayer de revenir sur son équipe pour teamfight. Là, il y a de quoi faire là, faut pas laisser le GP essayer de trop mettre des tonneaux pour qu'il y en a un qui perde la moitié de ses points de vie et qu'on peut plus fight en fait après. Donc ça, faut faire attention, faudrait ward les lanes pour justement éviter que le. Aïe aïe aïe. Oh le Gragas! La Banshee qui a absorbé justement le grab et qui lui a sauvé la vie, ça c'est super bien. Ça l'a sauvé. Oula! Oh ok, ça fait beaucoup de dégâts. Il faut reset, faut se casser. On se casse. Oh non. Non, la vie, qu'est-ce qu'il a fait? La vie qui a engage. Où est Yasuo? Oula. Non, qu'est-ce qui se passait? Yasuo qui a pas ult. Attends, Yana. Ah mais non, Yasuo avait déjà ult. Oh, horrible. Yasuo qui avait un ange gardien qui l'a perdu. Oh là là. Aïe aïe aïe. Aïe. Oh! Ah, s'il avait son ult. Ah non, il était peut-être en cooldown. J'avais pas bien vu. Je sais pas. C'était un fight exceptionnel. C'était très spécial. Alors là, on va partir sur un baron. Regarde la régénération du drag sur Thresh. Ouais. Thresh, il est où? Ah oui, ça se voit à vue d'œil. Ah oui, en effet, c'est intéressant. Donc on part sur le baron. On aurait pu prendre un inhib complètement gratuit. Mais vu que les fights se gagnent très facilement, on va sécure le baron. On va l'enlever de la map. Bon choix, très bon call. Qu'est-ce que fait le Gragas? Oh non, il avait pas vu, c'est vrai que le Twitch était invisible. Oh! Oh, c'est pas passé loin. Heureusement qu'il y a eu un petit shield et le heal de Twitch. Tout le monde est mort. Ah là, 8k gold d'avance maintenant. On prend 1478, le critique de GP. Ah bah ça picote, hein. Il a bientôt 14k gold. Il a 5k gold d'avance ouais, sur bah les yeux. C'est Gangplank, hein, c'est fait pour ça. Vache. Sinon, ça tous les autres dans, sont oui, ça fait plus ça fait ou mal. Moins égaux.
à 1000 gold d'écart, mais alors là, 4000 gold, 5000 gold d'écart. Après, il y a les 3 tours d'avance, plus le Nash qui me donne les gold. Ouais, ça va être compliqué. Le Twitch qui a pris 2-3 kills, j'ai l'impression. Très bien. Alors là, ça va être très dur d'arrêter le gangplank. Là, ça va être le Dominique. Faut un gros tank. Et là, le problème, c'est qu'ils ont pas de tank. Il aurait fallu un tank avec un rendu. Hein. Parce que là, avec deux... À partir de là, ils pourront plus remonter, en fait. Là, ça va être compliqué. Hein. Oh, très bon ult de Xayah, malheureusement, dans le mauvais sens. Ah, ouais, c'est fait des trucs. Ouais, c'est fait des trucs. Tu vois la QSS? Genre... Oh là là. Ça fait mal. Hein. C'est carnage. Là, ça fait très, très, très mal. Ah ouais, un bon GP, franchement, ça peut faire le taf. Hein. Donc la Dia, elle est partie en rond, mais c'est un petit peu tard. Ouais, c'est un peu tard. Le problème, c'est qu'elle a pas eu de kill. Hein. Le problème, c'est qu'elle a pas eu de kill. Elle a donné tous les assists. Bah, en fait, tous les kills à son équipe. Et du coup, ça l'a beaucoup trop retardé, la pauvre. Mais encore une fois, bah, ils ont tous bien joué. Hein. C'est malheureusement le. Oh là oh la vache, il me donne envie de jouer GP. Mais je sais que ça va mettre 3 ans à l'OTP. Ce truc là. Oh, c'est hallucinant. Hallucinant le GP qui fait autant de dégâts. Eh, ça fait mal, hein. Ça fait mal. En tout cas, très intéressant le Gragas aussi qui a failli one shot, qui nous a fait des petits combos parfois fail, parfois réussi. Et bah, GG. Game en 30 minutes. J'ai toujours pas vu passer, hein. Ça passe vraiment trop vite, c'est hallucinant. Et sinon. Ouais, c'était très équilibré au début. Ouais, bah. Par contre, le GP a vraiment limite un V5, hein. C'est ouf, hein. Mais ça, j'en parlerai dans un autre guide. Des champions à OTP, là, c'est GP dedans, et bah, on voit le délire que c'est, mais ça se maîtrise. Ça se maîtrise, c'est pas un truc où tu peux first time. Quand, vous voyez peut-être pas les tonneaux qu'il a fait, mais c'était vraiment pas évident. Il faisait vraiment des combos où le Yasuo pouvait pas riposter, et son mur ne pouvait rien faire. Et très compliqué, pourtant, tout le monde a plutôt bien joué. Dommage, j'ai pas vu de R Gragas avec le Yasuo, mais ils ont pas eu le temps, en fait. Le GP a mis trop de pression. Il y avait trop de pression et ça manquait un petit peu de tankiness de l'équipe rouge, oui, je pense. Il manquait un gros tank. Gragas, il avait des objets qui étaient passifs, hein, la Banshee, la Protobelt, le Zonia. C'est un peu une erreur en fait de vouloir faire tous ces objets en même temps parce que il n'avait pas de stéroïde de puissance, il n'avait pas assez de pénétration par exemple. Ouais, je vois. Ouais. Puis Gragas, ça se joue beaucoup avec les points de vie pour son passif. Donc tout ça, ça manquait un petit peu. Les dragons d'eau aussi, ils ont beaucoup aidé à régénérer. Ouais, et du coup, c'est ce qui manquait. C'est vrai qu'ils on s'en rendait pas trop, compte forcément, mais ça cause un écart. Les dragons d'eau, c'est vraiment trop fort. Ah bah deux, c'est vrai que la régénération de mana et de vie était assez impressionnante. Parce que du coup, les dragons d'eau, c'est quoi pour GP? C'est-à-dire qu'il peut mettre ses sorts à l'infini, il peut farm à l'infini. C'est vrai. Il 16 000 gold. Enfin, il a pris un Dominique énorme, en fait. À la fin. Oh là là là. Si GP veut manger une orange, il la mange sans se poser le problème des 90 points de mana du sort. Il peut faire ce qu'il veut en fait, le GP. Du coup, il peut ne plus back et farm à la fin. Mais attends, c'est pas une erreur ça par contre? De quoi? Le GP qui a pris un Dominique alors qu'il n'y a pas de vie en face? C'est pas forcément une erreur. Enfin, c'est-à-dire que ça va quand même pénétrer l'armure quoi qu'il arrive. Ouais, il y a eu 35%. Et après, il faut voir par rapport au. Alors, GP de base, il a beaucoup de points de vie. Brom il découpait parce qu'il avait Brom a plus de points de vie que GP, il me semble. Bah mais le GP était niveau 17 et Brom était niveau combien? Niveau 13. Niveau 13, oui, mais Brom il a visage de la montagne, ouais, il avait beaucoup de points de vie. Ouais, il voilà. Pouvait exploser, ouais. Mais après, c'est vrai que la vie, je pense que vie a moins de points de vie de base que GP. Parce que GP de base il a beaucoup de points de vie. Ouais, les dons de Trinity Force, c'est le seul truc qui donne de la vie. Donc pour moi, GP avait plus de points de vie que vie, ouais. En théorie. Bah, les... Oh, vous devez venir là, non? En plus, en plus, ça a été niveau 13, la vie. Oui. Et lui, il était 17, donc il avait vraiment beaucoup plus de vie. Oui. Bon, bah voilà. On va pas s'éterniser non plus là-dessus, mais bon. En tout cas, il faisait énormément de dégâts. C'était vraiment pur OTP, je pense, hein, pour maîtriser autant les tonneaux. On voit la grosse différence. Ils ont tous très bien joué, encore une fois. Mais un homme a fait la différence. Non, je rigole. Mais bravo tout le monde en tout cas. Bravo tout le monde encore une fois. Merci tout le monde d'avoir été là pour commenter merci avec moi. Toi. Et on se dit à la semaine prochaine pour un bronze silver cette fois-ci sur le Discord. À plus les gens. Merci d'avoir regardé. Au revoir.